Eh bien salut à tous les gamers, aujourd'hui je vais vous faire un petit glitch de duplication après la mage 1.09. Donc pour cela vous allez être dans votre garage et vous demanderez à votre ami où il y a une place libre dans son garage. Exemple, moi il m'a dit que cette place là, elle est libre, donc je vais lui dupliquer cette voiture. Vous demandez à votre ami de rentrer, ensuite vous allez sur le menu du téléphone, vous allez sur internet, Dynasty 8, trouver une propriété, et vous achetez un garage à 10 places, mais autre que le vôtre. Donc une fois que vous l'avez acheté, soit vous avez de la chance et vous serez directement dans la voiture. Donc moi je vous conseille de donner des petits coups d'accélérateur comme ça. Donc là, est-ce que je rapparais dans la voiture? Si j'ai de la chance, normalement, oui. Donc là, cette fois-ci, je n'ai pas eu de chance, mais il n'y a aucun problème, c'est pas grave. Hein. Donc là, vous demandez à votre ami d'accélérer et de sortir de la voiture. Une fois que votre ami est sorti de la voiture, vous allez dans votre nouveau garage. Donc on se retrouve tout de suite. With... Donc une fois arrivé devant votre garage, vous demandez à votre ami de rester dans la voiture, ne surtout pas sortir. Ensuite, vous rentrez. Donc dans votre nouveau garage. Donc une fois que vous êtes rentré, normalement, il y aura quelques petits bugs des fois. Donc là, je réapparais là et vous regardez bien. Donc il y a une Bugatti, deux Bugatti et donc trois Bugatti. Donc ça fait une triple duplication. Donc c'est assez intéressant. Donc je vous conseille de laisser de la place dans votre garage si vous voulez vraiment dupliquer pas mal de voitures. Donc ensuite, une fois ça fait, vous demandez à votre ami d'appeler la mutuelle. Donc votre ami appelle la mutuelle, ce qu'il est en train de faire. Donc je te demande d'appeler la mutuelle. Voilà, donc tu l'as fait, c'est bon. Donc vous rentrez dans votre voiture à nouveau. Et donc je propose que si vous avez fait ce glitch, c'est que vous avez pas mal d'argent. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez acheter votre ancien appartement, encore une fois. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc là, des fois, il y a des bugs, ça fait échec de l'achat, donc vous en faites pas. Vous recommencez une fois. Et voilà, donc là, ça a marché. Des petits bugs vont apparaître. Des petits, des gros, je dirais. Donc là, voilà. Vous pouvez rouler immédiatement, vous avez eu de la chance. Donc ensuite, vous allez sur Start. Et vous vous rejoignez à votre appartement, donc votre nouveau appartement. Donc je vous propose que si vous faites ce glitch, excusez-moi pour les bégaiements, c'est que normalement vous avez de l'argent, donc l'Eclipse Hour, je vous le conseille très fortement. Donc pendant cette courte pause, je voulais vous dire merci à mes 450 abonnés, 455 au jour d'aujourd'hui, donc ça monte ultra vite, j'ai envie de dire. Donc vous me direz en commentaire si les glitches GTA 5, les hacks et autres vous plaît. Parce que je vois que quand je fais ça, il y a beaucoup de vues et pas mal de j'aime. Donc à mon avis, je vais faire que du GTA sur ma chaîne. Et donc ce sera une chaîne un peu spéciale GTA 5. Donc au passage, j'ai la Buffalo de Franklin, je peux vous la dupliquer. Il faut juste que vous me donnez votre PSN. Donc là, vous demandez à votre ami de descendre. Donc moi, le garage est plein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ma Adder par une autre voiture. Donc là, vous voyez bien que j'ai 3 Adder. Et donc là, je vais prendre par exemple... là, c'est quoi comme voiture ici? C'est la exemplaire. Et donc vous voyez bien que vous avez une Adder, 2 Adder, 3 Adder, 4 Adder. Vous avez 4 Adder au prix de 1 Adder. Donc c'est magnifique. Donc une fois que votre duplication, votre quadruple duplication a été faite, donc vous allez dans le garage de votre ami. Donc quelques bugs, excusez-moi, peuvent être engagés dans ce glitch. Exemple, là votre ami normalement il a 0 Adder. Et peut-être qu'il va se retrouver avec 3 Adder, 4 Adder. Donc tout dépend, c'est un peu aléatoire. Donc je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui ai réalisé ce glitch. Je ne sais même plus quel youtubeur a réalisé, donc je ne pourrai pas mettre sa chaîne dans la description. Donc voilà, vous êtes dans le garage de votre ami. Vous voyez bien qu'il a été dupliqué ici et ici. Donc là, il n'a pas vraiment beaucoup de chance parce qu'il a été vraiment dupliqué 2 fois. Donc voilà, j'espère que ce glitch, ce énorme glitch vous aura plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Allez, ciao tout le monde.